Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je continue en fait avec les petits partenariats. Je vous ai dit que je ne sais pas pourquoi, mais ce mois-ci, j'ai eu pas mal de petits contacts et le mois dernier également. Donc on continue. Aujourd'hui, ça sera une vidéo partenariat avec le site Coco Rosa Studio. Alors, je pense que vous avez déjà dû voir ce site sur les réseaux, c'est le petit renard. Je vais donc vous montrer les produits que j'ai choisis. Donc, il fallait choisir sur la sélection des nouveautés. Et donc, j'ai choisi 5 articles. On avait un budget qui nous était donné. Je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos puisque j'ai demandé un petit code pour vous de 20%. Donc c'est le L1153. Mais je vous le remettrai. Comme ça vous permet également de pouvoir profiter de produits avec quand même une petite réduction non négligeable. D'autant plus que les produits à la base ne sont pas non plus trop chers. Je ferai pas de vidéo si les produits coûtent super cher et que ça n'en vaille pas la peine. Alors on y va. Donc c'est venu dans une enveloppe, c'est encore des produits asiatiques, hein, je vais pas vous mentir. Alors j'ai pris un dye de hibou. Je vous montrerai également en même temps sur l'écran la photo. Qui est à 2,99€. Donc vous voyez, il y a toutes les pièces. Alors moi, je déteste les dyes quand le personnage est en une seule pièce et qu'il faut le découper dans toutes les couleurs pour ensuite redécouper et l'avoir. Là, non. Là, j'ai à la fois... donc ici, j'ai sa tête. Là, j'ai le petit truc rose. J'ai ses ailes. Il y a un livre, donc là j'ai le livre, là j'ai la branche, j'ai le feuillage. Ensuite ça c'est son corps. Et les deux petites choses là, ce sont ses pattes. Donc vraiment la seule chose qu'il faudrait peut-être que je reprenne, ce sont les yeux. Et puis c'est pas grand chose de plus. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il donne donc, à l'écran. On va peut-être même travailler à l'écran. Donc voilà, à l'écran il donne ça. Je vais fermer ça. Donc là vous avez cette découpe comme ça et ici voilà. Donc voici ce premier item à 2,99€, ce qui n'est vraiment pas cher pour un petit hibou bien sympathique. Ensuite j'ai pris cet arrosoir. Ce petit arrosoir qui est à 3,99€. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait je voulais les feuillages. Je pensais qu'ils étaient striés mais non, ils sont tout simples et l'arrosoir également. Donc bon, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple. Je suis fatiguée, je baille. Mais bon, donc à l'écran ça donne ça. Donc 3,99€, vous avez l'arrosoir et les deux ginkgo, je sais pas comment on dit. Hop. Donc voilà ce que ça peut donner. En plus vous voyez la livraison est gratuite à partir de 24,99€, donc on y arrive quand même assez vite. Hein. Ensuite j'ai pris une bordure. Dentelle à 1,99€. Donc si je, elle fait 1,14 par presque 3 cm normalement. Ouais, c'est ça. 14 par 2,7. Je pense que même les petits ronds vont pouvoir vous permettre, si vous avez une aiguille toute fine, de faire de la couture. Donc voilà, c'est pour faire une bordure comme ça. Qui est très sympathique à faire. On continue, on arrive au bout. Hein. J'ai pas pris non plus trop de produits, je vous ai dit 5 produits. Donc ici, j'ai pris une matrice pour faire une chemise parce que c'est bientôt la fête des pères. Et je voulais faire une petite carte pour mon mari.
Donc on a la chemise, la base, le col, les boutons, enfin bref. De toute façon, je pense que celle-ci, c'est celle que je vous ferai en petit tuto démonstration. Donc c'était à 4,49 €. Donc vous voyez, c'est pour donner ce modèle-là de découpe costume homme. C'est très sympa, je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc on a la cravate, la chemise, la veste, la petite pochette, etc. etc. C'est très, enfin j'aime bien, franchement c'est simple, mais j'aime bien et j'avais pas envie de me casser la tête à le faire, puisque oui, on peut le faire sans dye, on peut faire cette chemise, on peut faire, pardon, la découpe avec le col et tout. J'ai déjà fait, mais là, pourquoi pas, ça me simplifie la vie, c'est très bien. Et pour finir, j'ai pris une découpe de base de carte. Donc c'est une carte en deux volets, trois volets. Elle est à 12,99 €. Donc c'est celle qui m'a coûté le plus cher dans mon budget qui a été donné. Voilà, ça me permet de faire ça. J'aime beaucoup. C'est très simple, mais en même temps, c'est très sympa. Ça évite d'avoir à faire à chaque fois une espèce de petite encoche ici pour venir raccrocher ça là. Pardon, une petite encoche ici pour venir raccrocher ça là. Et j'espère que je ne fais pas de bêtises avec ma caméra. Bref, donc ça nous fait donc une carte dans ce style. Et bah voilà, moi je trouve ça très sympa. Ça change, c'est pas compliqué. Et ça se réalisera donc très rapidement avec la matrice de découpe. Donc voilà, on a fait le tour des 5 articles. Je vous ferai très vite des petits tutos, j'espère, parce que là, avec tout ce que j'ai à faire, ouh là 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 là, j'ai quand même pas mal de boulot. Je vous dis à très bientôt. Si vous aussi vous craquez sur quelques petits objets, n'hésitez pas à me le dire. Puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, bye bye.